Juan Do Tan a aujourd'hui 55 ans, mais en paraît 25. Ce photographe de Singapour a attiré l'attention du monde entier parce qu'il paraît beaucoup plus jeune que son âge. Il sait comment ralentir le vieillissement et paraître plus jeune que son âge. La célébrité lui est venue après qu'il a publié une photo sur un réseau social. D'une taille de 185 cm, Juan Do pèse environ 80 kg. Son style vestimentaire ressemble à celui d'hommes plus jeunes de quelques dizaines d'années. Son ventre comporte tellement de cubes qu'il ferait l'envie de n'importe quel jeune homme de 20 ans. Son teint est impeccable et il n'y a pas une seule ride. La peau est ferme et sans tache. Regardez la vidéo jusqu'au bout et vous apprendrez les principaux secrets de la jeunesse et de la longévité. C'est parti pour un tour d'horizon. Au fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et cliquez sur la cloche. Ne manquez pas nos nouvelles vidéos. Soins de la peau, eau et nutrition. Certaines personnes pensent que Tan a recours à la chirurgie plastique ou à des produits cosmétiques. Voici ce qu'il répond. J'ai la peau sensible, donc je n'utilise que deux produits par jour. Un gel lavant et une crème hydratante pour le visage. C'est ma routine de soins de la peau. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il est impossible de paraître 10 ans plus jeune sans une bonne génétique. Dans une certaine mesure, oui. Mais il est intéressant de voir comment un mannequin singapourien passe sa journée. La première chose que Tan fait le matin est de boire beaucoup d'eau. Il contrôle son alimentation. Il adhère au principe suivant. Vous êtes ce que vous mangez. Vous êtes ce que vous mangez. Il pense que l'état et l'apparence du corps dépendent à 70% de la nourriture et à 30% de l'exercice. Au petit déjeuner, Tan mange 6 œufs durs ou pochés dont il laisse 2 jaunes. Il boit également un verre de lait. Parfois, il mange un avocat avec des baies. Une salade de légumes peut être présente. Cela lui apporte des protéines et de l'énergie pour commencer la journée. L'une des règles de Tan est d'éliminer le sucre. Si une personne ne peut pas se passer de sucre, il est préférable de le consommer l'après-midi. Il recommande de consommer moins de glucides et plus de protéines. Son plat préféré est le poulet ennané. La recette n'a rien d'extraordinaire. Poulet, oignons, gingembre, riz, poivre blanc, ail et piment. Dans la journée, Tan mange de la viande de poulet avec du riz, des légumes grillés ou une soupe de poisson aux herbes. Il évite le café et le thé, mais boit beaucoup d'eau. Il ne fume pas et ne boit pas d'alcool. Vers le soir, il mange une salade de légumes frais. Horaire de sommeil. Juan Do dort au moins 7 heures par nuit. Il essaie de ne pas se coucher plus tard que 11h du soir et se lève tôt tous les jours. Tan est convaincu que le travail de nuit n'est pas bon pour la santé. Et pour avoir un sommeil de qualité, il arrête de manger 5 à 6 heures avant de se coucher. Tan dit « L'approche précoce du sommeil en vaut la peine. Pendant la journée, un homme aura le temps de faire beaucoup plus de choses que s'il travaillait la nuit. Il ne se douche pas tard le soir ou tôt le matin. » Juan Do pense que c'est mauvais pour sa peau et son métabolisme. Activité physique. La forme physique est un mode de vie pour Juan Do Tang. Il a commencé à s'entraîner dès son plus jeune âge. Il fait de la musculation 4 fois par semaine, ce qui lui prend de 60 à 90 minutes. Vient ensuite le cardio sur un tapis roulant. Il s'efforce de faire de la natation tous les jours. Il va à la piscine et s'entraîne pendant environ une heure. Prendre soin des gens. Le succès que le photographe a trouvé sur les médias sociaux, il essaie de l'utiliser pour le bien. Il reçoit chaque jour des centaines de messages sur les médias sociaux. Des personnes de plus de 50 ans lui écrivent. Ils disent souvent que son apparence est devenue une motivation pour prendre soin de soi. Tan s'efforce de soutenir ces personnes. La motivation de Juan Do, tant que vous traitez bien vos parents, les personnes qui vous sont chères, les gens qui vous entourent et que vous croyez en Dieu, c'est suffisant pour réussir. La plupart de ces principes semblent relever du bon sens, mais beaucoup de gens sont trop paresseux pour les suivre. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cet homme remarquable? Écrivez-nous dans les commentaires et partagez votre opinion avec nous. Et maintenant, je vous recommande vivement de regarder une autre vidéo sur notre chaîne. Nous y analysons les secrets de la jeunesse et de l'excellente forme athlétique d'Andy Wilkinson. Cette vidéo contient des informations très intéressantes. Le lien vers la vidéo vient d'apparaître à l'écran et le lien se trouve également dans la description.
J'ai également épinglé la vidéo dans le commentaire du haut. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Nous vous donnons rendez-vous dans la vidéo sur Randy Wilkinson.